Ces deux grands créateurs du compas direct qui occupent le devant de la scène depuis plus d'une vingtaine d'années. Ali La Rivière et Richie, j'aimerais me dire là, c'est parallèle Messi-Cristiano Ronaldo. Okay? Ça veut dire que on ne peut pas nous on ne l'autre là. Personne ne peut faire un process ou pyramide Ali, personne ne peut faire un process ou pyramide Richie. Les deux se valent et deux monsieur Zao, c'est deux nègres comme c'est Mdabdil qui au niveau de la qualité et au niveau de la quantité, pratiquement une production musicale enragée depuis la fin des années 90, arrivée juste journée et jodia, pour ne pas dire que yon n'a plus grand débat qui alimentait différents mélomanes un peu partout, même yon en football, là ici a fait gros débat, c'est aussi c'est Ronaldo Messi, mais des pourris vont essayer de connaître ce compas direct qui besoin faire parallèle dans le moment actuel là, ou après yon plus focaliser sur Henri avec Richie. Naturellement, il y a un paquet de grands créateurs, mais qui peut-être pas une production aussi
énorme que de M. Sayo, pour ne pas dire, à mon avis, c'est eux deux qui gagnent une production qui pille énorme en termes, et au niveau de la quantité, pas forcément au niveau de la quantité, de la qualité, parce que, comme je le disais tantôt, il y a des monde qui est comparable avec M. Sayo, qui peut-être pas gagne projecteur sur eux, le même niveau, hein, qui peut-être pas aussi médiatisé. C'est le cas pour Jean-Max Dalcourt, comme je le disais, toute l'équipe de New York All Stars. Il y a des gens qui sont de grands compositeurs, Tamara Sotpalé-Yonla, Kenny Demang, qui est un pile grand composition que le fait la carrière musicale. On va parler de musique qu'on a fait au Saisi. Et pour nous citer ça seulement, Andan Zenglin, Kenny a deux, trois musiques que le composait aussi, c'est de bonne facture. Andan Five Onai, idem. Donc Kenny a un répertoire à succès de musique que le composait. On est tant que Fabrice Souzier n'a pas qu'à jouer avec tout. Il dit que c'est deux nègres qui composaient en pile. Et récemment, nous avons Denis Asseïd, qui peut être un peu plus jeune, mais qui prouvait également qu'il est capable d'entrer dans la cour des grands. Sans oublier, on est tant que Brutus Dérissien, qui composait énormément de musique. Tout. Mais je nous dis, les nègres ne sont pas aussi médiatisés qu'en lit avec Richie. Et médiatisation, ça vient plus intense à partir de. De face à face ça, et je suis capable de dire comme ça, qui, surtout, qui vient d'exister entre deux jazz, malheureusement, parce qu'on sentait qu'il y a un malaise entre deux musiciens, ça y a, entre deux groupes, ça y a, mais également au niveau de public, là, il est totalement polarisé le dossier en lit avec Richia. Moi, je trouve que c'est dommage, même les, selon Pile Monde, c'est polémique qui fait business à marcher, c'est compétition qui fait le marché. Même toujours aimé que les compétitions, les plus saines, les plus innocentes, côté que les essentiellement musicales, sans c'est pas fâché, mon Dieu fâché pour tout le monde. Nous aimons par référence d'IP Express, la compétition avec Scorpio, et pratiquement, il y a un pile lien entre les deux, pour être Claude Marcelin, il y a de très bonnes relations avec Robert Martino, et puis c'est pratiquement un mélange, ou bien plus près de nous, on en parlait lundi, et là, il y a des polémiques fantômes avec Z. Son polémique qui était planifié d'ailleurs. Et c'est King Kino qui portait deux chanteuses pour Zen. Deux chanteuses qui vont faire succès avec le groupe Zen. On a parlé de Maggie avec Georgie. C'est Kino qui t'a proposé. Et nous connaissons que les projets Fantôme dans Tape Marine et tout, il y a des gens qui étaient dans l'état-major Zen qui étaient dans le projet Fantôme. C'est pour vous dire que la relation était cordiale, c'était une relation moun à moun, c'était une relation zami, partnership, relation musicien. Ils ont tout simplement décidé de faire une polémique. Une polémique musicale et qui te mettait en pile chaleur dans New York, mais qui n'a pas affecté les relations qui ont existé entre différentes personnalités qui ont deux formations musicales. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour New Look et pour Classe. Et j'espère en tout cas qu'on joue deux mastons dont ça y est, capable de chita, mettre les têtes ensemble, pour voir un signal clair pour le pays, côté que deux mondes qui ont contré, parce que l'image de division, ça a surtout un pays qui est aussi divisé. Une société qui est aussi divisée, là nous avons deux figures de proue, deux personnalités importantes et aimées qui t'abaillent un exemple d'unité, de réconciliation. Définitivement, c'est une belle bagaille, Mm-hmm. Et Monsieur Serge Jean-Pierre, il a fait partie du Bossa Combo. Et il est un musicien important dans le Bossa Combo au tout début de l'aventure, avant qu'il quitte ça pour aller dans d'autres activités. Donc, c'est nous parlons des voix Jean-Jean qu'on dit. Et nous pas gagné image, nous parlons des voix Jean-Jean. Mais on a présenté quelques photos de Jean-Pierre, bien entendu. Pour les gens qui ne connaissent pas lui, nous parlons des voix Jean-Jean qui parlent de musique, qui parlent de compas et qui parlent de Henri La Rivière. Et de Jean-Hérard, alias Richie. En allez, en entendez, monsieur Jean-Jean Pierre. Mesdames, messieurs, bon petit cœur, c'est bien, il a passé bien, bon petit cœur, bon petit love, bon regardez-nous là.
Je sens la présence, je parle pourquoi je sens la présence. Les bails, ils ont un compas dur, je sens que nous sommes plus motivés. Donc, je sens la présence. Et puis, j'en aurais même dit là. Et bye. Et supporter l'émission, supporter l'émission. Voyez étoile. Parce que c'est étoile qui vous permet projet ça continuer. Sans les étoiles, sans votre support, le cash app, le zèle, le PayPal, et la difficile pour atterrir. Parce que ce sont des projets qui nécessitaient quand même quelques dépenses. Projet pour se comprendre. Ce n'est pas long rate, je n'ai pas de travail. C'est nous-mêmes qui campons structure pour nous capables de partager certaines informations et puis faire formation avec nous, faire histoire avec nous. C'est un projet qui est coûteux, qui a besoin de votre soutien. OK? Donc, une fois de plus, merci à tout le monde qui branche. Merci à Radio Bazla qui choisit d'accompagner l'aventure. Merci à PPL Production. Merci à Diamond Group. Nous rappelons que Diamond Group est aidé en pile. C'est Diamond Group qui a nos systèmes, panneaux solaires, inverteurs, tout ça, qui permettent que nous fassions émission ça, même pendant que tout le pays a gagné blackout. Mon cas, nous là, nous clairons, nous clairons, projecteurs, nous lumières, tout le bagage a bien marché. C'est grâce à Diamond Pierre, à Diamond Group, et dirigé par M. Jay Jasmin. Donc, mesdames, messieurs, tant pis, s'il vous plaît, supportez live là. Alex Fong, la grosse 50 étoiles là. Donc, voyez-y étoile, en encourageant l'initiative là. Nous pourrons attendre M. Jean-Pierre, tant pis, s'il vous plaît. Tendez-le avec un pile attention. Mettez tête en place, si vous ne pouvez pas comprendre, si vous avez des questions, nous avons envie de poser. Nous mettons poser une question, je vais vous dire pour Jean-Jean, même si c'est vendredi, me répondre à une question que nous posons. Question pertinente, parce que monsieur ça en mesure pour nous répondre à plus fort question que nous avons, qui a rapport à Compas Direct et qui a rapport avec la musique haïtienne. Je nous dis à là, c'est une conversation. Un monologue d'un intellectuel, un savant. Donc, mettez tête en place pour nous comprendre tout ça que vous parlez là. Tant pis, surtout. Jean-Pierre, mesdames, messieurs, avant que nous parlions, je mettez photo Jean-Pierre sur l'écran pour nous. Pour nous, qui est-ce qui monsieur ça? Monsieur Jean-Pierre. OK. Voilà. OK. Voilà. Je mettez le pied bien pour nous. OK. Ok, Jean-Pierre, pour aller parler avec vous. Donc, mettez vos oreilles à l'écoute, on allait. Bon, Pipo, établir un parallèle entre Richie et Harley La Rivière, ce n'est pas un exercice qui est trop facile. Pour qui ça? Bon, pour moi, deux excellents musiciens, ça a représenté deux phares dans la musique urbaine contemporaine. Deux leaders naturels, pour plus clair, n'a pas les deux groupes qu'on peut dire que l'important pour moi, pour m'établir la différence là, parce que dans pile confusion sur qu'on peut dire que Nemo Jean-Baptiste créé dans l'année 1957, à qu'en pile version générique qu'on part la donne, nous gagne qu'on part en bas, de coupé cloué, qu'on part. Aussi Tropicana, Compas Love, et la trier. Mais presque tout ça me cite, pas aucun rapport à Compas Direct, Nemo Jean-Baptiste là. Ironie que vous demandez mon opinion sur Richie et Carly. Pour moi, deux bons musiciens, ça y est, qu'un bête tradition, Compas, que le chleu, tabou, difficile. Gypsies, Kacha, Bossa Combo, Frère des gens, System Ben, DP Express, Scorpio, à campé l'autre groupe années 60, 70 à 80, t'es continué. Et bon, moi, j'ai un petit problème sur une série d'instruments que monsieur n'a pas servi avec encore. Mais nous avons touché ça un petit jampi devant. Moi, t'as catégorisé Monsieur Sayo comme une sorte de compas direct romantique. pour moi, c'est ça lié. Je sais ça le romantisme en compas direct. Pratiquement. Moi, tu as catégorisé M. Sayon encore.
sous bon héritier compas direct parce que majorité musique monsieur fait il a utilisé toute base compas direct là avec un pile respect pour moi bon c'est ça m'a dit respect pour Ritner, respect pour Jean là c'est par exemple dans la composition. Pour moi, c'est deux excellents compositeurs. C'est bons compositeurs, ils respectent en pile, bon, bien que pas toutes pour moi, mais en pile dans le principe composition et arrangement. Par exemple, Tex, Hook. Hook, là, c'est. Bon, c'est ça, nous, les refrains. C'est partie de la musique là qui répétait, puis que le public là, a chanté avec eux. Longueur musique, yo. Par exemple, pour musique classe, parler peut-être ou musique qui commençait dans une forme de reggaeton pour le virer sous compas direct. Pourtant, l'heure où il est sous compas direct, là, il jouait le franc. Richie, pour moi, un excellent batteur, qui discipliné, pas coupé, rythme dans chaque 16 mesures. Son problème que moi, dans pile, dans majorité, et l'autre groupe, il y a là. Chaque 16 mesures, il y a coupé musique là. Bon. Eh bien, si on a dansé, bon, c'est vrai, on n'a pas dansé encore, c'est juste. Ça n'a pas nuit. Pourtant, qu'on peut dire que là, son musique de danse liée. C'est-à-dire, l'op joli, c'est pour toujours penser à danseur. Moi, des gars, El Jasmin, avec Patnelly. Clifford Jasmin de Compa Dance Challenge. Il a dit que n'y a pas qu'à danser compas direct et puis tout rythme a cassé chaque 16 mesures. Ouais, et puis cassé parfois sans discipline. Eh bien, c'est exactement ces manque de discipline ça moi dans pile l'autre groupe yo, yo qui aurait règle musique, règle de base yo. Pas oublier, bon, je me fais un peu d'expérience, ça a eu depuis 16-17 ans dans Bossa Rombo. Nous avons joué pendant des années pour touristes dans l'hôtel Aloncho. Et c'était avant que je joue à Cancide Rose, Nelson Ned, bon, ensuite, qui était à Haïti. Mais, il y a une chose que je t'apprends, c'est que Michel Desgouttes, professeur Michel Desgouttes, grand compositeur haïtien, arrangeur, montrer nous c'est des principes de base soit de musique de danse pour respecter et c'est pas un hasard les nœuds montés qu'on a dit marcher qu'on passe c'est nœuds montés qu'on dit ça mais c'est le ça c'est bassiste qui parfois qu'on a dit pas varier trop bon naturellement c'était hier hein, quand pile d'un groupe Yokounia par exemple parler la rivière en parler qui presque majorité dans la musique, bah, ça va marrer dans ma chère 2, mais il est bien chita, il dit, s'il bien chita, il est bon. En fait, c'est un avantage que classe à Kniolouguin, monsieur très, très méticuleux, hein, sous point ça. Pourtant, moi, pensais que il a commencé à utiliser synthétiseur anti-genre 3, surtout avec même son, yo. Ouais, faut ne pas continuer à répéter même bagaille. Parfois, on a l'impression d'entendre déjà. C'est vrai, l'autre critique que vous pouvez aller, c'est bon, peut-être faut faire attention qu'il vienne attaché exclusivement au même thème romantique, toujours y a quitté, là, etc. Alors, c'est pas exclusivement, hein, faut ne pas exagérer. Cependant, je pense que c'est ça qui veut l'un ou c'est ces compositeurs principaux en groupe, sous pas fait appel à d'autres collaborateurs ou une chance répéter tête sans qu'on pas même réaliser ça. Ouais, et moi-même, moi, parce que monsieur Sayo, et réellement, c'est bon musicien, ouais. Ni Ali, ni. Richie, yo, et yo jeune de jour, yo gan pile côté yo qui arrivé. Bon, en fait, pas qu'à cacher li, yo nan musique préférée, moi,
Pour moi, il me dit Richie, ça, on le choubou, t'es fait par là, sur le téléphone, trouvé son prototype, nous, c'est haïtien, t'as supposé. Alors que nous, c'est haïtien, pas, non, son forme de pétro-rabodalier, mais il y a même kata, kata haïtien. Que bon, ils sont basés sur le livre, ils font zouk, ils font bon l'autre rythme, qu'ils ont mis, qu'ils ont bas. Mais tous ces quatre haïtiens que nous gagnons depuis longtemps, depuis tout orchestre qu'on attendait en province, ces mêmes quatre, quatre, tap, 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 tap. Et puis, bon, il y a des jeunes, Israël Saé, l'orchestre Citadelle, toute septentrionale, sous son jeu septembre, Marianne, ah, bon, ben, on va parler depuis début années 60, mais ça est lui-même, c'est depuis 1942, puis Jazz déjà 1943, et c'est génie, Smith Jean-Baptiste, qui en 67, en 67, introduit Katassa sous cymbale. Et c'est lui-même que nous entendons dans presque toute musique qu'a joué non seulement en Antilles, en Haïti, même en Afrique, tout. Faut que nous pas jouer, hein, pas oublier, au début des années 60, il y a un pile intellectuel, donc, professeur haïtien qui est au Sénégal, dans l'autre pays, Afrique francophone, pour des raisons politiques, naturellement, sous Duvalier. Et en plus, non, monsieur, ça a été porté des disques, que ce soit des jeunes, ça y est, Nemo. Et bah, ça a vu une des musiques, c'est on attend des cognières. Ouais, c'est là, il est sorti, c'est là, dans Sousse Noire, il est sorti. Ou met à la Tibonite, aller dans sucri, dans souvenance, dans toute la couille. Badjo, wap tendeo, et yo là depuis longtemps. Et donc, pour moi, c'est base ça que monsieur Sayo, bon, presque tout groupe haïtien qu'on a, qui a travaillé, qui était qu'on fait depuis longtemps. Et que Smith lui-même mettait la musique urbaine à jouer. Mais encore, ma retourné sous préféré, moi, nous, c'est haïtien, je pensais, tu as toujours encouragé Richie pour faire d'autres musiques dans ce style ça, parce que ça capable d'avoir une autre vie à compas direct là. C'est-à-dire infuser sans. Sous-tendre des. Non seulement texte là, parce que nous ne pouvons pas continuer à faire tout texte, c'est romance, romance, romance. Jean, en pile dans monsieur, t'es qu'on fait longtemps de chanter la nature, me connaît, ça parle la mode qu'on y a pour chanter Haïti. Me comprendre pour qui ça. Mais il faut que nous ne pas jouer, hein, Haïti a, peut-être c'est nous-mêmes qui rendons comme ça, hein, mais Haïti a toujours là. Malgré ça, moi, dans grande danse, regardez. De locaux, monsieur, m'a regardé ça, nous gagne, son joyau, et puis nous oublier. C'est comme si nous gardions seulement sac négatif. Yo. Donc, moi, je pense que c'est un terme capable un peu plus varié. Regardez, par exemple, parler peut-être ou cliquer sous lit, you don't want me, I'm sorry. Bon, Felvini avant, c'est satire, c'est ça. Même Jean pour Harley, alors, nous ne sommes pas les deux classes là, mais si vous regardez Harley, Why Now, What About Tomorrow, Is It Real, qui pour moi sont une mélodie extrêmement jolie, Confession, etc. Je pense, monsieur, nous avons varié. Temio. Nous pas besoin de faire ça parce que nous qu'on fait arrangement bien et public la croit en nous. Donc tout profiter fait profiter pousser enveloppe là un petit peu, pas arrêter seulement sur les sentiers battus. Bon,
Moi-même, ça m'a dit, ça m'a commencé à dire avant, c'est instrument. Nous pas utiliser instrument à percussion, quoi. Nous pas utiliser gage, nous pas utiliser cha-cha, nous pas utiliser tambourine. Et c'est, pour moi, c'est une bagaille que moi décrit. C'est-à-dire qui frappait même que groupe haïtien et pas jouer ça, yo appuyé seulement sur ce cymbale-là. Ou pas qu'à utiliser ça comme instrument à percussion seulement avec cloche là et tambour, parce que compas direct là lui-même, c'est instrument pour moi qui fait partie intégrale de rythme. Ouais, et tambour, batterie, et cloche là avec tomna, que nous te prenons très mauvais pour moi, le gong, mais il faut que nous suspendions by your non, c'est pas non, ça, son cloche, et lié parce que gong là, son instrument asiatique lié. Si vous comptez dans le film, il frappe. Donc, ensuite, tcha-tcha, grage, tambourine, tout bas, ça fait partie de rythme. Regardez-le, moi, il y a deux, trois chanteurs dans le groupe qui campaient, deux meilleurs dans le poche, c'est quoi ça? Non, je pense que ça, c'est une nabaye que moi-même, que nous abandonner, les débalancer rythme. Ouais, faut que nous retourner, tendez encore, ouais. Et bon, même Zami, moi, qui c'est contemporain, monsieur Tabouyo, c'est tout homme dit, monsieur, à part nous pas jouer musique, nous pas jouer percussion encore. Mais encore, m'a retourné sous ce deux groupes Sayo, deux monsieur Sayo, pour moi, c'est deux phares comme héritier, compas direct là, qui Kimbell, qui respectait lui. En lip, c'est le roi des belles mélodies. Hein? Mais ça n'a pas ta nuit que monsieur fait, surtout Ali, fait appel à d'autres compositeurs tout parfois. Ça a aidé lui pousser enveloppe là. Et là, bon pour lui-même tout. En tout cas, voilà. C'est ça, me pensais, de deux excellents musiciens, ça, et de deux groupes pour moi. Qui est une tradition compas direct que Nemo Jean-Baptiste a créé en 1957 là, et Yokembeli avec prestige. Du groupe classe, c'est toujours dit, à mon avis, c'est une plus belle composition, formation musicale. Ça, c'est pas musique qui fait plus succès, malheureusement, c'est comme ça, et Boisia, plus musique la simple, c'est les mêmes qui atterrissent plus vite sur nous, et mais son musique qui ont diversité de rythmes là-dedans qui vraiment extraordinaire. Donc, si nous faisons un résumé de ça, j'ai là, en dehors de clin d'œil que monsieur fait sur les histoires pays, hein. Et premièrement, il y a deux bagailles que monsieur apprend nous, par exemple, monsieur dit nous que nous pas intérêt tout le temps à dire gong, et parce que l'instrument n'a plus là son cloche liée, c'est pas gong lié, et que gong là son instrument asiatique. Et quand on voit un film, on voit un gros bout de bas et puis a frappé, c'est les gongs, non? Et si on prend, bon, nous même nous disons le gong. Bon, nous faisons ça, étant qu'on aurait l'afrobeat, rabodaï. Nous disons ça de la bouche, nous, et ça ne date pas d'aujourd'hui. On prend, nous aurions toutes génératrices Delco. On prend, nous aurions tout réfrigérateur frigidaire. Et si on prend, donc, nous faisons l'abus de l'engagement. Donc, gongs dans son clocher, nous avons cette information, ça, bon. Deuxièmement, je déplorais que la composition actuelle du conseil de éléments de percussion que nous pas use encore, et c'est dommage vraiment. Et nous songeons les scachats à nous avons toujours un tcha-tcha en mêle. Effectivement, tcha-tcha, t'es un petit genre. Et sur le plan rythmique, permettre de danser la musique là, plus bien. Après ça, je déplorais une série de cassus qui gagnent la musique là. Okay? Ça veut dire qui empêchait mon danser et qui empêchait que. Dans ce compas vraiment commercialisé sur le marché international là, parce que le compas il y a trop de ruptures là-dedans, trop de cassures qui ont été gens désassonnés les gens qui ont dansé. Et effectivement, c'est bagages ça qui font assez souvent, ou qu'on voit deux, ou qu'on voit blanc, ou étranger, les cas dansent salsa normal, elles sont bonnes, mais l'arrivée sur le compas, bon côté l'arrivée, le temps que les gens qui perdent, c'est rythmique là qui ne permet pas les chita sur lui. Donc, il faut poser une question pour que ça ait un étranger le bouger facilement son kizomba, son salsa, son merengue, son série de baïso. Mais depuis le rivet, on parle de gens perdus.
c'est tout cachu ça que nous avons tendance à faire un sous manuel les gongs là qui assez souvent qu'on crée un déséquilibre la caille danseur. Donc monsieur déplorer ça, monsieur estimer que faut bail monsieur plus attitude pour danser parce que compare avant tout son musique de danse et soit les la genèse compare ou après effectivement pas de comme ça. L'obtenir petit moment Carole, l'obtenir vivre compagnon monsieur Baptiste ou bien l'allonger cheveux ou pas t'attendre, vient venir casser ça son mouvement qui trouve lui qui vient prêcher à partir de l'année 70 et puis qui vient bagaille bien et monsieur dit que le pire c'est que assez souvent il y a des monde qui fait le mal côté que des harmonisation qui pas faite entre moment cassé avec l'autre instrument. Donc je parlais de ça. Je parle de deux compositeurs ça. Il estimait que ces deux lettres qui étaient fidèles ouvrés à ligne qu'on va dire là au niveau de principe de base yo. Et ils font une brève analyse de tous les deux musiciens yo. Et moi c'est que en ce sens que monsieur volontairement choisi pour prendre précaution parce que monsieur pas voulait choquer personne capable de dire ça. Et connaissant l'homme, il était en pile réserve pour te parler, parce qu'il ne voulait pas dire rien qui vous choquait. Mais j'aime dire, c'est de technique qu'on parle, c'est de l'histoire. Et quel que soit son dire, il est plus qu'à servir que le cas dérangé. Donc, monsieur montre que les types de composition Richie, c'est un peu normal, monsieur son batteur même j'ai avec Richie. Et monsieur parlait de Ali, Ali de la Rivière comme roi des mélodies. Mais cependant, monsieur suggérait Ali pour peut-être Ali ta antigien. Et démarquer légèrement de même type de texture, même type de bio pour prioriser un peu d'autres sujets. Donc, ça, c'est mon analyse personnelle, sur lecture personnelle que je fais. Et puis, en même temps, je déplorais peut-être une utilisation à outrance de synthétiseurs. Et je trouvais tout que il y a une même sonorité. Ça veut dire que les vinotigiens redondants, les vinotigiens, et les vinotigiens répéter tête. Ok, donc bah, c'est une très bonne analyse qui va permettre de nous-mêmes mieux comprendre et certaines choses. Là, on a parlé d'un compositeur. J'aime ça dire Ali avec Richie, c'est deux grands compositeurs. Et bah, c'est musique priorité à les pouvoir ça. Ça veut dire pile mon ouais Ali et essentiellement comme qui a fait composition à l'eau de rose, une musique de show et à toute ça, il y a de musique à l'eau de rose qui extrêmement bien arrangée. Mais pour musique tant qu'on nos indifférences. Ou bien qu'à pour musique, t'as une destination finale, qui même là, il n'est pas fini pour répondre totalement à ça, les compas love là, mais son mid-tempo lié, qui par un paquet de vitesse, c'est une musique qui est extrêmement bien arrangée. Et nous, qu'après, une musique, t'as une musique, ça, tout le monde a parlé de compas direct du, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu là, nous, qui est en train d'oublier que c'est Ali quand même qui fait de musique, t'as une grande dépense, qui c'est de gros bouts de ton compas. Et c'est même Ali la Rivière, ça, tout qui fait musique, ça, que nous parlons de là. Qui pour moi-même, en termes de compas, gagne des arrangements qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien réalisés.